En Val d'Oise, l'égalité femmes-hommes, c'est l'affaire de tous. Le 26 mars dernier s'est tenue à l'ESSEC la journée de clôture du mois de l'égalité femmes-hommes en Val d'Oise. L'occasion pour le Conseil général, organisateur de cette journée, de réunir les professionnels, mais aussi les représentants des institutions qui ont contribué à animer ce mois de l'égalité. La politique départementale en faveur de l'égalité des chances est large. Thierry Sibieude, vice-président en charge de l'handicap et de l'égalité des chances, nous rappelle les principaux enjeux de ce mois de l'égalité femmes-hommes. Une journée comme aujourd'hui, dans un lieu universitaire, d'enseignement, de recherche, de réflexion, elle vise à prendre un moment pour analyser la situation et voir ensemble quels sont les grands enjeux, quelles sont les grandes questions du moment, avec une audience la plus large possible qui accueille des partenaires de tous horizons. Près de 200 personnes ont participé à cette journée de travail. Une journée agrémentée par des tables rondes, abordant des sujets cruciaux comme les inégalités en matière de métier, la lutte contre les stéréotypes ou encore la lutte contre les violences faites aux femmes. Des sujets qui sont hélas toujours au cœur des problématiques portant sur l'égalité femmes-hommes, comme nous le précise Michèle Berti, conseillère générale qui partage la prise en charge de ce dossier au département. À partir de l'instant où ce thème égalité femmes-hommes a été mis en place au sein de nos services, donc des comités de pilotage se sont réunis, nos services ont travaillé en transversalité et ces trois thèmes sont sortis au bout de quelques journées de travail entre nos différents services. Et en plus, sur l'atelier violence faites aux femmes, le Conseil général s'était déjà engagé en février 2012 par rapport à une première signature de convention le 8 mars 2012 par rapport au téléphone d'alarme pour les femmes en très grand danger. Entre deux tables rondes, des agents du Conseil général, comédiens amateurs, ont interprété avec talent des scénettes sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Les violences faites aux femmes, les écarts de salaire, les jouets qu'on offre aux petites filles, faire passer les poupées et les garçons. Oui, c'est scandaleux. Cette journée de travail a été clôturée par un moment fort, puisque le dispositif de téléphone d'alerte, initié par le Conseil général en 2012, a été renouvelé par les différents acteurs. Grâce à lui, le nombre de téléphones portables à destination des femmes en grand danger et victimes de violences va doubler dans le Val d'Oise.